2. Donc on va faire une partie avec Akrid en difficulté maximum et avec l'Artifact qui permet de sélectionner les items. Donc l'objectif ça va être de débloquer le skills où faut exécuter un pillard et également de terminer le jeu en difficulté maximum, c'est-à-dire histoire de débloquer l'apparence albinos pour Akrid. On va essayer de faire ça en mode tranquille, en une ou deux runs, je pense que ça devrait être bon. Alors évidemment je vais jouer à la manette, parce que le jeu est vachement plus agréable à la manette. Alors si on a un peu un problème technique avec la manette évidemment, ce qui est le cas pour l'instant. Ah, ça va être très gênant. Si vraiment avec la manette on n'y arrive pas, enfin si elle veut pas se connecter, on essaiera de faire avec le clavier souris, donc c'est un peu plus complexe, mais c'est bon, bah, nickel. Donc on a dit difficulté maximum, l'artefact de commandement. Après les autres pour l'instant, ceux que j'ai débloqués sont pas forcément intéressants. On verra par la suite. À la limite, on va essayer d'en débloquer un au passage. Ok. Nice. Le mob qui se suicide. On va jouer avec l'effet saignement hein, qui est clairement top tier sur le jeu en ce moment. Okay, on a un truc là-bas, un artefact lunaire. Donc là je vais pas speedrun les premiers niveaux, hein. C'est vraiment objectif. Alors ça c'est pas vraiment l'idéal. Pas avoir de mobs qui vont spawn, c'est assez relou ça. Les petits missiles c'est toujours pratique, notamment pour terminer les ennemis, parce que le poison, si je dis pas de bêtises, ne les tue pas. On peut pas les achever.
chercher ici aussi. On va prendre le double saut. Je crois que c'est tout pour ce premier niveau, il n'y a pas d'autre aussi. On va prendre les PV. Ça va vraiment être une run assez tranquille, je pense, pour l'instant. Drone, ça c'est cool. Le drone qui va être pratique pour terminer les ennemis, c'est cool. Puis également pour attendre qu'il y a ma place quand il y aura les boss, etc.
logiquement encore deux dagues de saignement et je devrais être à 100% de proc. Coffre, on est ok, il reste plus que le drone et les deux trucs de random. Et du coup on est bon par rapport au dive. Allez, on va passer au niveau suivant. Ouais, si je peux, je prendrai aussi l'item pour augmenter la vitesse de chargement du portail. Parce que c'est toujours pratique. Donc ça divise la taille par deux, mais ça augmente la vitesse par deux. Une pièce. On a perdu deux dommages, on a voulu. C'est dommage, j'ai pas le super robot ici. C'est pas tout le temps qu'il spawn.
Ok, les dégâts, ça c'est pareil, logiquement lui à partir de 8 aussi on devrait avoir le 7 ou 8, on devrait avoir le proc qui sera sur plus d'une chance sur deux. Un truc pour acheter un peu plus vite les élites. C'est pareil, au bout d'un moment on va commencer à stacker cet item. D'avoir d'autres items à récupérer. Explosif. On commence à être vraiment bien au niveau des items. Ce sont dans le moment où on stack l'effet saignement, c'est la partie dure généralement assez longtemps. Enfin, c'est un build qui est tellement on va dire pété, mais enfin si c'est pété. Juste du crit, c'est l'item qui permet quand. Un item en jaune, je crois. Quand les ennemis ont un saignement et qu'ils meurent, ils explosent. Du coup, ça fait un effet en chaîne complètement abusé. Il mange juste à temps. C'est un jeu, il me le prendre, je pense.
boss au passage. On est ok au niveau des nounours aussi, c'est cool. On va essayer de se concentrer du coup sur les critiques. On devrait pas tarder à voir le boss qui spawn, je pense. Parce que là, ça en fait déjà 3 et il spawn à 6 ou à 5, je sais plus. Peut-être aussi un peu de stun, ça peut être pratique. C'est pareil, je crois que le stun c'est ça va être 7 stacks pour l'appliquer à 24. Aussi du vol de vie. Il doit me manquer plus que deux nids à péter pour avoir le boss. Voilà. Ah bah non. Bon, c'est plus qu'il manque. Par ici des fois. Là, il y a les fins qui commencent à arriver. Thank you.
là mon objectif ça va juste être de stack les différents items. Ça va être complètement OP. On va aller chercher le item neige. Juste histoire de survivre, on va prendre le meilleur ami de Dio qui permet de revenir à la vie une fois. Enfin, ouais, tout simplement. Alors les verts mamas c'est vraiment le mob que j'aime pas avec avec Akrid. Pas compliqué à tuer mais le problème c'est que vu qu'ils sont tout le temps sous terre on peut pas les vraiment les shooter. On va essayer une main de faire l'objectif de tuer le pillard, donc du coup ici on va pas terminer la partie tout de suite. On va aller jusqu'au prochain niveau. On a quoi ici, c'est un ensemble ça je crois non. Bien. J'ai pas pris l'item que je voulais prendre, c'est dommage. Petit fail.
si si, là, si nickel. Un peu de ville. Quoi que j'aurais dû prendre les boucliers plutôt que les murs. C'est beaucoup worse dans cette difficulté d'avoir du shield que d'avoir de la régène. Vous en avez que la régène divisée par deux. Alors, je peux encore monter tout au haut pour voir s'il y avait des items. Essayer de voir. Ouais, nice. On va prendre de la move speed aussi un peu. C'est partie des choses dont on a toujours besoin.
pense qu'on est bon. Perdre d'autres coffres. Donc là on va sûrement avoir le verre surchargé ou un truc dans le genre. Voilà. On les gratte le PV petit à petit, c'est cool. Qui va pop, donc il y aura assez plus que lui. Heureusement qu'on avait le truc de Dio. Là j'ai vraiment fait de la merde. Bien ton max. On a une pièce de vol de vie. On va aller full vol de vie. On va aller essayer de faire les trucs ici, des fois que. C'est l'outil. Nickel. Donc à savoir que l'item de Dio, si j'en récupère un nouveau, je pourrais à nouveau le avoir un silver revive. Mais que du coup il se stack pas, c'est. Enfin, il se stack uniquement quand on en perd. Nickel.
Ça, c'est un peu con. Tant que j'ai le shield, ça tranquille les dégâts. C'est nice. Sauter droit. Il y a un coffre juste en dessous. Il y a un drone de véhicule. Ah, ils ont limite même plus le temps de spawner là. Ils doivent lag de partout, c'est nickel. Hop, donc je vais prendre le coffre qui était là. Bah nickel, on va prendre l'égide. Comme ça, au moins, chaque dégât ça me produit heal. Enfin, chaque dégât ça me produit shield plutôt. Pour l'instant, on n'a pas encore croisé de pillard. Ça risque d'être compliqué pour le pillard étant donné qu'il faut porter le coup fatal. Donc, je sais pas si. Genre les dots vont compter ou si c'est vraiment un coup.
tellement infâme pour eux. Bah nickel, on a fait un des succès, il manque plus qu'un. Là on va commencer à stacker vite et anti-élite parce qu'il n'y a pas vu. On arrive dans la phase de jeu où il n'y a plus que des élites qui pop. Enfin, on va arriver dans la phase de jeu où il n'y a plus que des élites qui vont pop. Là je crois que j'ai techniquement atteint un build où c'est bien extrêmement dur de mourir. 3000 de bouclier. Enfin 3000 de PV et bouclier. Faut gaffe quand même, parler un peu trop vite. Continue avec le vol de vie. On continue avec ça aussi. On se prend là-dessus à 6. On va mixer les deux avec l'essence aussi. Ça c'est super pratique. On va prendre la fleur pour avoir les PV. Comme ça on a en fait tout le temps de la régène. Ce qui est beaucoup plus simple pour stacker le shield de Voldoki. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Un petit fail, on va dire ça comme ça.
Des seigneurs démons, nice. On va pas s'oblitérer tout de suite parce qu'il faut tuer le pillard et ensuite on fera l'oblitération. Et qu'on aura tué le pillard et comme ça on aura une lock cri de 100%. Ce qui est plutôt pas mal. Ah, c'est vraiment dangereux, je pense. On est comme ça. Le stack du shield est complètement what the fuck. Et là je sais même pas si... Bon, je pense qu'il n'y a aucun map qui peut one shot. À partir du moment où je stack comme ça... De prendre du crit comme ça si si au moins je tombe sur l'item qui fait que les crits infligent du saignement et en plus ça fait exploser les ennemis, ça c'est nickel.
C'est pas que je voulais pas le battre maintenant lui, mais j'avais pas prévu de le faire spawn là tout de suite. Oui, il est trop moins chiant. Alors si je fais ça c'est du suicide. Ouais, bon, on va pas tous les activer déjà deux, je pense, là ça va être méga hardcore. On a 600 plus critiques. Ça non, ouais. J'ai grave pris tarif là d'un coup. Ouais.
Allez, c'est le moment pour mourir. Nickel. C'est le boss. C'est vraiment pas le meilleur moment, mais. Oh, ça va. Si c'est que des comme ça, en vrai, ça va aller. Et voilà, nickel. Je suis pas encore à 100%, mais... là, ok, j'ai un verre surchargé. Je sais plus si le verre surchargé ça compte parmi un mob qui est boosté ou pas. Et voilà, la version changée qui arrive.
ça va être la mort. Ça va être la mort. Pas avant de tuer celui-là. Ou avant qu'il me tue. Pire plan hiver. Ah, clairement, pire plan hiver là, vient de faire. Ah, il peut bloquer les dégâts.
Ah, je pense pas réussir à le tuer celui-là. Petit saut dans le vide. Je vais pas remonter. Eh ben nickel. Vu qu'il est tombé dans le vide, ça va considérer comme un coup fatal, ça si c'est pas nickel.
Alors logiquement, prochain niveau dans celui-ci, on devrait avoir le TP pour solitaire. Pas encore, dommage. Ça va commencer à être chiant. Ah, cette traction en chaîne. Et c'est parti pour l'oblitération. 83 minutes de jeu. Avec un full. Du coup, full unlock de Creed. Et vu que le passif croit sur les auto-attaques, j'avais déjà débloqué avant.
totalement sûr. Et voilà. Acry de pandémie, mauvais traitement, plus la masterie. Du coup, on va regarder un peu c'est quoi. Poison revient sur qui inflige 310 points de dégâts. L'ennemi inflige 3 plus sur l'ennemi avec peu de PV. D'accord, donc ça passe d'une attaque à distance à une attaque au cac. Là, ça augmente les dégâts, mais ça enlève le poison. Ok, en fait, ça enlève l'effet de traînée. Et du coup, voilà. Acry d'albinos. Donc là, techniquement, pour le prochain, il manque Pouli, il manque le dernier équipement. L'artificier, il manque anéantir un boss en moins d'une seconde. Ensuite, il y a le mercenaire que j'ai jamais joué. J'ai dû jouer 5 minutes au max. Loader, il manque. Atteindre le portail là en moins de 25 minutes. Donc ça risque d'être très compliqué en difficulté max. Donc ça se peut que je le fasse pas en difficulté max. Et voilà pour ce petit live de début d'après-midi. À voir si je refais un live dans la soirée ou non. A plus.